Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, en ce moment, c'est le deuxième défi des championnats du monde. Le but, réaliser 15 victoires pour passer à la deuxième étape et essayer de peut-être se qualifier pour la Pologne, pour essayer de remporter un maximum d'argent et pourquoi pas se qualifier pour les finales mondiales. Le gros problème de ce défi, c'est justement, si vous êtes tout seul, est-ce que vous pouvez faire les 15 victoires avec des inconnus? Eh bien, écoutez, j'ai envie de tester ça. On est sur mon compte level 1 et je vais essayer de partir complètement avec des inconnus. On va voir un petit peu combien de victoires on peut faire. Il va y avoir des moves un petit peu what the fuck, j'imagine. Mais bon, on va voir un petit peu comment on peut sortir. On a pris Tick, hein, parce que sur cette map-là, Tick, c'est vraiment très, très bien. On est avec un ricochet, c'est pas si mal. Et avec un El Costo, ça me va bien. On va pouvoir mettre directement la pression. Est-ce qu'on a du lanceur en face? On a très, très peu de lanceurs en face. Ça va nous mettre très, très bien avec notre Tick. Oh, regardez-moi ça. Hop, oh, on met la pression. On met la première tête. Première tête ici pour essayer de prendre le contrôle. Le Daryl qui va se faire détruire. Hop, oh, et directement on commence plutôt bien. On commence plutôt bien cette game. On a a priori des... Moi le costaud là qui est parti. Ouh, attends. Alors ouais, le Rico lui qui paye ses munitions. Le Rico il paye clairement ses munitions parce que là depuis tout à l'heure il ne fait absolument rien. Et là je suis pas bien. Hein. On est d'accord que je suis pas bien. Hein. Hop. Hop, ok. Alors s'il vous plaît mes partenaires, essayez de frapper les ennemis. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour gagner. Sinon, ça risque d'être difficile. Ok. Allez. Ok. Il y a moyen, franchement, de moyenner. Hein. Regardez. Hop. Alors, Rico, si t'as pas de munitions, regardez, le pire Rico ever. Il se déplace et il n'attaque absolument pas. Et il se prend des... Oh, mais c'est pas possible. Je pense que c'est un troll. Ça doit être un troll. C'est forcément un troll. Hop, alors attendez. Oh, vas-y Rico. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Rico? Oh, on a le pire Rico ever. Oh non, mais on a vraiment le pire joueur au monde. Je pense qu'il est en train de faire une vidéo troll, ce mec. Attends. C'est jouable. Oh non, mais le Rico, incroyable. Allez. Nice. On aide notre El Costo. Vas-y, sors, la clepsydre. Oh, le pire Rico au monde. Mais on va quand même gagner. Oh, le Rico était vraiment... Oh mon dieu. Tellement nul ce Rico. Ok, on commence directement sur une game très intense. Hein. Alors là, on est joueur star. Le Rico, le pire joueur ever. Je pense qu'il a touché aucun adversaire. Je pense qu'il n'a touché aucun adversaire, ce joueur. C'est incroyable. On enchaîne, deuxième game. Bon, je vous avouerai que le Rico, là, il m'a un petit peu stressé. Alors bon, je comprends ce que vous vivez hein, quand vous jouez avec des randoms. Le mois dernier, vous m'aviez dit « Oh, mais c'est impossible de jouer avec des randoms et tout. » Et j'étais vraiment en mode « Non, mais c'est peut-être jouable. » C'est pour ça que je voulais tester. Ce mois-ci, je voulais vraiment tester, voir si c'était vraiment très difficile ou alors si c'était jouable quand même un petit peu. La Piper qui meurt, ça fait plaisir. Ok, la BA très très forte. Hein. BA exceptionnelle. Hein. Hop. Ah, c'est pas mal ça, ça permet de mettre la pression. Vas-y. Je vais essayer de récupérer quelques gemmes parce que finalement la partie... Oh, qu'est-ce qu'il nous fait le... Oh, j'ai peur, je crois qu'il va se faire écraser le Poco. Ok, parfait. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on va leur mettre quelques petites mines aussi en plus, là, à ceux qui sont là. Hop, bien sûr, à l'atterrissage, on chope la Piper. On va mettre ça, bien sûr. Hop, la petite tête qui va aller chercher à la BA. On va récupérer, hop, des gemmes. On s'écarte. Et eh bah écoutez, pour l'instant j'ai l'impression que ça passe. Alors attendez, notre Poco qui est un petit peu immobile. Hein. On a tendance à avoir des joueurs qui n'ont pas de deuxième joystick en fait. J'ai l'impression que certains joueurs n'ont qu'un seul joystick et c'est assez difficile du coup pour gagner hein, forcément. Si vous pouvez pas et vous déplacer et attaquer en même temps, c'est vrai que c'est un peu problématique. On va essayer de mettre la pression ici sur la Piper, bien entendu. Hop, on va aller mettre la pression. La PAM qui résiste. Hein. La PAM qu'on va essayer de tuer quand même. Ah, ça prend des dégâts, parfait, ça meurt. Ok. La Piper, il faut qu'elle... Voilà, il faut qu'elle... Hop là, voilà, on récupère les gemmes qu'elle a pris, qu'elle aurait jamais dû prendre. Hop, attention. Hop, on va rajouter ça ici, la petite tête qui va aller chercher la PAM. Allez, rends-nous les gemmes. Voilà, rendez les gemmes aux abonnés et c'est parfait, on est sur une deuxième victoire. Bon, pour l'instant, on s'en sort bien. La Tick qui est extrêmement puissant hein, sur cette map. Je vous conseille, regardez la PAM qui est en train de se faire complètement écraser. La Piper qui va se faire détruire et ça va être un bon gros GG tranquillement. 16 gemmes à 0, écoutez, une équipe de random cette fois un petit peu plus intéressante et on n'a pas eu un Rico qui nous a complètement gâché la game, c'est pas mal.
Et c'est le GG. Ok, sans faute. Sans faute pour l'instant sur le gem grab. Est-ce qu'on a fait 3 fois Jvorstar? C'est bien possible. C'est bien possible. J'ai pas checké sur la deuxième game. Mais pour l'instant, on est pas mal. On va passer du coup sur le mode Brawl Ball. Et du coup, on va tenter Nita sur cette map de Brawl Ball. En face, on a des brawlers assez classiques. C'est pas mal. On a un Rico. C'est pas mal, un petit lanceur. Why not? Même si je vous avouerai que c'est pas forcément ce que je préfère dans cette map. Allez, hop, on dégage. On fait le premier kill ici tranquillement. Hop, hop, hop. On a le El Costo qui part avec le ballon. Ça, c'est bonne chose. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout? Oui, c'est parfait. Ok, ok. On marque le premier but. C'est tranquillement. Ok, ok. On se fait plaisir. Le lanceur est pas si mal sur cette map, justement, parce que vous voyez, hein, y a pas mal de murs dès le début. Hop. Attendez, on va finir elle. Voilà. Hop. On va finir. On va aider. On va aider à tuer le El Costo. Attention, attention, attention. Hop, l'ours. Ah non! Ah dommage, on n'a pas réussi à contrer le but. J'avoue que on peut très très vite arriver dans les buts. Et la Chili finalement elle nous a bien détruit. La Chili en fait elle essaye de prendre les fights très très tôt. Donc du coup on va essayer de la nettoyer assez rapidement. Hop. Ok, ok, vite, 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 vite. Ok, parfait, 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 parfait. On régène ici. Est-ce que tout le monde est mort là? Non. Tout le monde était mort? Non. Ah ouais, tout le monde était mort. Honnêtement, my bad. Hop, on va mettre ça pour encaisser, parfait. Hop, hop. Hop, hop. Allez, 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 on finit la Chili ou pas? Parfait. Oh, c'est parfait. Vas-y, on est devant le but. Vas-y, mon... Vas-y, vas-y, mon... Oh! J'ai eu peur, mon Bartaba. J'ai eu peur, mon Bartaba qui rate son tir. Finalement, Kiao! Kiao et Jvorstar. Et du coup, on est... Hey, on est déjà à 4 victoires. C'est bien. Si tu utilises toutes tes munitions sur moi, tu pourras pas les utiliser sur les autres. Et c'est le GG, bien sûr. Ok, on est sur un 5-0. 5-0 avec des inconnus et encore un Jvorstar. Allez, c'est Bibi qui régale. Allez, troisième match. Troisième match de Brawl Ball. Ouh, contre... Ouh, on a du très lourd en face. Après, Max, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, on a du très lourd en termes de PV. Ça peut être difficile à descendre, les mecs. Ok, on va essayer de charger un petit peu sur notre Daryl. Sur le Daryl. Ok. Nice. Attends, hop, on va se mettre ça là. Vite, 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 vite. Ah, il va passer. Oh, dommage. Dommage. Notre Max qui ressort trop tard des buts. C'est dommage. Après, ça va être très difficile à gérer. Regardez, regardez les dégâts de zone qu'ils font. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Absolument rien. Allez, on va attendre que ça réapparaisse peut-être. Ok, nice. Attention, il va tenter de nous la faire à l'envers, lui. Nice. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vite, 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 vite. On tue ça, on tue ça, on tue ça. Ok, nice. Vas-y, nettoie, 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 nettoie. Parfait. Allez, ça tire. Parfait. Ah, oh, mais c'est lui qui a tiré. J'étais persuadé que c'était moi qui avais tiré. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. J'étais persuadé que c'était moi qui avais le ballon. En fait, c'était lui. Ok, on va mettre ça. Ok. Vite, 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 vite. Non! On a passé de dégâts! Ah, la première défaite! Oh, on pouvait pas faire grand-chose, il y avait beaucoup trop de points de vie, nos adversaires. Ils avaient beaucoup trop de points de vie. On a notre première défaite. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est le GG. Parfait, on valide les 6 victoires, on valide le Brawl Ball, une seule défaite pour le moment. Et bah écoutez, encore Jvorstar, on se fait plaisir, on est calme, enfin non, on n'est pas calme du tout, on est très stressé. Mais on va passer sur du quoi, c'est quoi maintenant? Le mode prime sur 1000 feuilles, oh ça va être du sniping. Ok, parfait, parfait. Ouh, 33-16, on s'en sort très très bien. La Piper, Piper qui était vraiment pas mauvaise, hein, je vous l'accorde, elle était vraiment très très douée. Et bah écoutez, on est à 7 victoires. Victoire numéro 7. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec, avec des inconnus, peut-être? Ou alors sans les inconnus, je ne sais pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, où vous en êtes de ce défi. Est-ce que vous avez réussi à faire? Ok, par contre, la Rosa, je suis pas fan. Hein. Honnêtement, Rosa, Karl, ça peut aller. Rosa, je suis vraiment pas fan. Oh, par contre, ils ont tous... Oh ils sont vraiment tous allés au centre. On s'est fait plaisir. Ah, vas-y, va dans le coin, là. Ils sont vraiment tous allés au centre, quoi. Bon alors ils ont une autre Rosa mais bon. Attends mais c'est quoi cette team là? Les mecs attends ils utilisent Shelly, Nita. Ah ils utilisent une technique Three Bears.
Ok, ok, c'est bien, on fait perdre l'ulti de Shelly avec, avec notre tic, franchement, avec notre tête, franchement, ça vaut largement le coup. Un ulti pour un ulti. Ok, on va essayer de récupérer nos munitions, là, pour essayer de faire un petit peu plus mal. Oh, calmez-vous, les jeunes. Ok, parfait. On a quand même fait du kill là-dedans, c'est pas mal. Par contre, ce qui m'embête, c'est que du coup, je prends pas mal d'étoiles. Donc du coup, à un moment donné, s'il commence à me charger, ça risque d'être compliqué. Ok, 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 ok. Attention, il y a de la Shelly ici. Il y a de la Shelly, on va essayer de remonter en munitions. On a pris le Star Power pour récupérer plus de munitions, bien sûr. Extrêmement fort. Ça récupère les munitions très très vite. C'est complètement chaotique, hein, cette game. Hop, on va se mettre ça ici. Alors ma tête, je suis pas sûr qu'elle va réussir à accéder à des gens à un moment donné. 21-10, ok, ça passe. Ok, ok, ok. Bon, nous on est 7, hein, 7 étoiles, bien sûr. Hop. Oh, ça touche. Ça touche et ça explose quand même. La Rosa, bon, la Rosa, on n'arrive pas à se la faire, c'est dommage. Ok, ok, on est bien, on est très bien. Et vraiment, les games sont chaotiques, hein. Les games sont complètement chaotiques, mais très très fun à jouer, quoi. Oh oui, ça passe. Allez dans le coin, on n'a plus qu'à la finir. Boum! Voilà, il me semblait bien aussi. La Rosa qui passe sur le côté, attention, allez dans le buisson. Ah non, ok, ça passe, on s'échappe. Et ça va être le GG, 30-15. Ok, 8 victoires, une défaite. Pour le moment, on est posé, on est encore joueur star. Eh ben écoutez, on se met bien. Oh là là, ça va être la défaite. C'est en partie ma faute, mais en partie du fait que la Piper notre Piper ne savait pas gérer la Piper adverse. Hein. Et donc du coup la Piper adverse est énormément montée. Bon, du coup ça va être je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On arrive à faire un kill ici. Et si on arrive à gérer la Piper adverse là, c'est jouable. 6. Hein. Oh oui! Attention, faut pas mourir. Yes! Oh! Oh, j'ai réussi à tous esquiver sur la fin. Oh, incroyable. On a réussi à gagner celle-ci. Alors, c'est pas moi qui ai snipé la Piper adverse. Je crois que c'est un de mes potes. Mais par contre, oh, je pensais pas que j'allais réussir à esquiver la Penny qui était juste à côté de moi. Et la Piper qui m'arrivait dans le dos. C'est parfait. Allez, 9-1 pour le moment. On va partir sur du braquage. Et du coup, j'ai pris le pool avec le deuxième Star Power. Celui qui lui permet d'avoir le bouclier quand il perd des points de vie. Hop. On a une bonne, équipe. J'ai l'impression qu'on a une bonne formation. Hop, hop, regardez, on arrive déjà à passer sur le côté. Voilà, on va réussir à choper l'Anita. Oh, il manquait pas grand chose pour la finir, c'est pas grave. Notre Rosa qui est dessus, qui est sur le coffre. Attention. Hop, on va aller chercher le bar tabac, bien sûr. Voilà, parfait. Hop, on va pouvoir rentrer les dégâts sur le coffre. Hop, hop. Bon, là, je vais mourir, c'est pas très grave, je vais revenir avec... Avec la vitesse, on est à 21%, on a fait un gros massacre. Hop, franchement, on a une bonne team, hein. Ça fait extrêmement plaisir, dis donc. Hop, bien sûr, on va charger directement. Hop, et il n'y a plus qu'une attaque à faire, je pense. Voilà, c'est le GG. Parfait, la Rosa qui a été vraiment très très douée. Le Dynamite était pas mauvais non plus. Regardez d'ailleurs, il y a des joueurs stars. On a eu une très bonne équipe pour celui-ci. Écoutez, ça fait plaisir, on va enchaîner tout de suite. Peut-être sur une 11e victoire. C'est complètement fou. Je ne doutais pas qu'on pouvait aller finalement si haut avec des randoms. Nice. Hop là. Et là, les dernières attaques. Tranquillement, bah finalement, on s'en sort très très bien. La 12e victoire. Hop. On essaie de rentrer quelques petits dégâts. Les dégâts derniers, les 6%. Un ours. Oh non, 1%. Oh, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai pas été très bon sur cette map. J'en suis désolé. L'Anita très très forte. J'ai hésité franchement entre Bull et Nita pour jouer sur cette map. Bah, je suis bien content d'avoir eu une Nita avec moi. On a fait 12 victoires, on est à une défaite pour le moment. Allez, du coup on est parti pour le mode siège. Ah bah j'en parlais justement des brawlers exceptionnels. On a de la Elisa et du Monsieur M. Ça peut être un petit peu difficile. On va voir ça. Moi j'ai pris de la Rosa, deuxième Star Power. Parce que le premier Star Power c'est celui qui permet de se soigner dans les buissons. Finalement il n'y a pas forcément beaucoup de buissons. Donc c'est pas exceptionnel. Même si là, hop, on aurait aimé. Oh, on arrive à faire le kill quand même avant. C'est pas mal. J'aurais pas dû mettre la pression ici. Ah dommage, on va perdre le premier robot. Attention. Le problème c'est qu'ils ont du bon contrôle de zone. Ça peut être compliqué. Il va falloir que Léon soit très très bon. Avec sa Penny. Ok, on va avoir un premier robot. On va essayer de le tanker assez rapidement. Voilà, hop.
On tanque avec la tête, bien sûr, pour essayer de réapparaître. Hop, hop, on va réapparaître tranquillement. Vas-y, tank, 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 tank. Parfait. On prend pas mal de dégâts ici. Oh, ça va être difficile. Hein. Oh, c'est pas mal, c'est un monsieur M qui va se faire détruire. Ok. Il y a peut-être moyen de moyenner. Hop. Bien sûr, on prend ce boulon. Hein. Jamais, jamais il nous le retire, ce boulon. Hop. Hop là, on la buffe. Ok, parfait. On récupère le boulon quand même. Ok, c'est nickel, on récupère le boulon ici. Parfait. Ok, on va aller récupérer le boulon là-bas, c'est pas grave. On peut réussir en un push. Hein. Là vraiment, avec la compo qu'on a, on peut vraiment genre réussir directement en un push. Ok, ok. Niveau 6, on a un robot niveau 6 qui va avancer. On va pouvoir passer sur le côté là, nous. Hop, on va aller chercher Monsieur M. On va aller mettre la pression ici sur le Rico. Oh, peut-être en un push. Est-ce que ça suffit? Le tanking? Non! Oh oui, le mortier! Oh, attendez. Alors là, va falloir la jouer malin. On a 7%, il faut y aller. Hein. Faut que le El Costo, il récupère son ulti et qu'il charge. Il a juste à faire ça. Oh yes! La Pénique a réussi à s'en sortir. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, attendez, si on n'a pas un des deux... Parce que moi, le problème, c'est qu'avec Rosa, c'était un petit peu difficile. Il aurait fallu soit un El Costo qui saute, soit une Penny qui agresse. C'est bien fait. Nice! Eh ben écoutez, on est à 13 victoires. Vite. Ah, le robot arrive vite, hein. Le robot arrive très vite. Hop, on va essayer de mettre la pression. Voilà, hop, un petit peu ici. Aïe, ça peut faire très mal très rapidement, ça. Aïe. Comment ça se fait qu'on prend tant de dégâts? Vite. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que notre Penny... Je suis pas sûr, mais je pense que notre Penny, elle a pas défendu. Il me semble. Je suis pas sûr à 100%. Ok, ça va être le GG. Ah, son bar tabac qui a... C'est leur bar tabac. Leur bar tabac a été nul. Il a été beaucoup trop. Il a voulu la jouer solo en mode, tiens, j'envoie mes ultis sur les coffres. Et il a pas du tout contrôlé les boulons. Alors là, c'est... Oh, l'erreur de débutant. 14 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'on va réussir à se qualifier avant la 4ème défaite? Écoutez, on va voir ça. Ok, on arrive à faire ce kill-là, ça c'est pas mal. On a réussi à faire un kill sur son robot. Ok, ça me va, on va réapparaître. Attention, faut vraiment qu'on arrive à faire une très bonne défense. On va essayer de rentrer les dégâts sur la... Ah, ça va être difficile, hein. Ça va être très difficile. Aïe, on en push. C'est dommage. C'est dommage, le push qui fait très mal. Et attention, c'est la dernière game. Potentiellement, c'est forcément la dernière game du défi. Soit on la perd, soit on la gagne. Est-ce qu'on va réussir à faire ce 15 victoires avec des randoms sur notre compte level 1? Ça serait complètement dingue. On va voir ça. On croise les doigts. Why not? Allez, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé les 6 joueurs, mais la game se lance pas. Ok, parfait. Alors, oh non! Ok, on a eu un petit lag au début, ok. Ok, nice, on arrive à faire le kill ici, parfait. Ah, zut. Vas-y. Ah, parfait, il a lâché le boulon. Ok, je vais essayer de me concentrer. Ok, ils ont un robot niveau 2, je pense qu'on récupère... Notre Jessie a l'air vraiment pas mauvaise, donc du coup on va essayer d'assurer avec. On va essayer de tanker dès qu'il rentre dans le machin. Voilà, on tanke avec notre tête dès qu'il rentre dans le machin. Hop. Ok, c'est pas mal. C'est très bien tanké, ça. Ça fait extrêmement plaisir. Attention. Hop. Ok, parfait. On arrive à faire le kill ici. On va pouvoir se sécuriser ce boulon-là. C'est bien fait. Ok, on va sécuriser plutôt celui-là, du coup. Hop. On va aller récupérer celui-ci aussi. Hop, ça vaut le coup d'encaisser un dégât, c'est pas très grave. Hop, on récupère celui-là. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de pression sur eux, là? Oh, parfait, on récupère ce boulon-là en plus. On essaie de faire le kill, parfait. Ils vont récupérer ce boulon-là ou pas? Ouais, possible que non. Ok, parfait. On est très bien, là. Parce que, du coup, on a donné très peu de boulons à nos adversaires. Allez, en un push, est-ce que c'est possible? Ah, c'est difficile peut-être. Ah, dommage. Est-ce que j'aurais pu tanker un petit peu plus longtemps? Je sais pas. Allez, on a un dernier robot. Faudra faire une défense exceptionnelle s'ils ont le robot. Hop, on attaque. On veut la...
On veut leur limiter au maximum le nombre de boulons qu'ils ont. Si on arrive à avoir le prochain robot, on a forcément gagné. Hop. Vas-y, vas-y, prends-le, prends-le, prends-le. Ok, moi je... Hop, vas-y, j'empêche de sortir. On récupère ce boulon-là en plus. Oh, on a le dernier robot. Incroyable, incroyable, on va faire les 15 victoires. Regardez-moi ce robot qui s'avance tranquillement pour les 15 victoires. Oh, c'est complètement fou. Avec des inconnus, avec des randoms, avec des brawlers. Vraiment très très facile à obtenir. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, comme disait l'Aspalace et Chevalier. Les 15 victoires, les 15 victoires. Félicitations, vous avez réussi à vous qualifier pour la prochaine étape des championnats du monde. Allez voir dans votre boîte de réception pour en savoir plus. Et c'est bien sûr les 15 victoires, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, franchement, avec des randoms. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au moins, je me suis pas fait carry par des pros. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bisous. Bye bye.